Bonjour à tous, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais réaliser le secret à travers celui du désespoir en solo. Vous allez voir que c'est bien plus facile que de le réaliser à 4, car on a moins de zombies. Nous pouvons marquer des pauses à tout moment pour prendre des notes. D'ailleurs, je vous invite à prendre de quoi noter. Je vais vous montrer mon équipement. Voilà mes atouts, les gum que je vais utiliser. Pour ceux qui n'ont aucune connaissance du secret, je vais détailler les étapes pendant que je les fais afin que vous compreniez. Il va vous falloir aussi de la chance. De la chance pour obtenir l'arme de la map. Donc c'est un fusil à pompe à 3 canons qui s'appelle le Kraken. Donc il va vous falloir de la chance pour l'avoir assez rapidement dans la boîte afin de faire des économies et vous équiper avec ces économies afin de ne pas monter haut dans les manches, car le but d'un secret pour le réussir, critère principal, c'est de ne pas monter haut dans les manches, car dans la dernière salle, à la salle du boss, ce sera les zombies de la manche. Donc plus vous montez dans les manches, plus les zombies seront résistants. Donc plus la difficulté augmentera lorsque vous serez dans la salle du boss. Donc voilà. Avoir de la chance pour avoir le Kraken assez vite. Donc le Kraken est indispensable pour réaliser donc une étape du secret. Il vous le faut absolument. Et de plus, c'est la meilleure arme de la map pour assurer vos armes. Il vous faut de la chance. Si vous voyez que après avoir vidé la première boîte magique et après avoir vidé la deuxième boîte magique, vous n'avez toujours pas le Kraken, je vous invite à quitter la partie, retourner dans le menu principal et la relancer. Car à ce moment-là, si vous aurez vidé deux boîtes mystères entières, c'est que vous aurez dépensé entre 11 à 12 000 points, ce qui est une somme énorme pour une game en solo. Donc voilà, le but, c'est de finir les étapes le plus tôt possible en termes de manches, afin de ne pas confronter de la difficulté pendant la salle du boss, pendant l'exécution du boss. Donc voilà, donc assez discuté, c'est parti, prenez note, c'est pas compliqué, vous allez voir. Donc c'est parti, le Titanic qui heurte l'iceberg, comme dans le film. Scarlett, la fameuse histoire du Titanic. J'espère vraiment que tu n'es pas mort. Je suis sûr qu'on a été séparés accidentellement. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais nous avons réchappé au sort des autres, transformés en monstres. Donc les atouts. Vous allongez devant, c'est un classique, ça donne 100 points, ça marche qu'une fois sur tous les atouts. Je ne sais pas si tu voulais des funérailles maritimes, mais bon, c'est comme ça. Donc on prend pas de risque. Bruno, tu es là, mon ami français. On devrait essayer de rester ensemble. Ce serait mieux pour tout le monde. Donc on prend pas de risque, on a que 3 raises. On a que 3 raises, donc on prend pas de risque. Donc là je viens de récupérer la pièce de bouclier. Si vous trouvez pas la pièce de bouclier au même endroit, je vous invite à aller regarder une vidéo que j'ai fait sur les spots des pièces de bouclier, ainsi que les spots de l'améliorateur du Kraken. Vous verrez, on pourrait l'améliorer, le Kraken. La demoiselle devrait faire attention à son équipement. N'importe qui pourrait s'en emparer. Donc prenez pas de risque, je vous disais. Donc vous avez que 3 res quand vous êtes en solo. Donc moi je vais vous présenter un atout là que j'ai sur moi. Donc c'est le deuxième sur la case rat. Donc il s'appelle Dernière Volonté.
Donc en fait, c'est comme si j'avais... Crois-moi, j'aurais préféré ne pas... Quatrième chance. En fait, le but de cet atout, c'est que... si jamais un zombie me met un coup de grâce, c'est-à-dire un zombie me tue, je ne meurs pas. Je passe en état secondaire. Pendant 9 secondes, je suis invincible. Ah mais par contre, à la fin des 9 secondes, il me reste un PV, un point de vie. Donc autant vous dire qu'il faut s'éloigner des zombies quand c'est comme ça, afin de ne pas mourir réellement. Donc voilà, c'est comme si j'avais 4 raises. C'est un bonus. J'ai 3 raises et un bonus. Par contre, il n'est pas perpétuel, cet atout. Une fois qu'il est consommé, il s'éteint. Vous l'avez toujours, mais il s'éteint. Il faut attendre sur la durée pour qu'il se recharge. Toujours seul. Aucun signe. Voilà, si ça arrive, vous verrez. Mais normalement, ça ne devrait pas arriver. Quelqu'un sur qui je peux compter quand les choses deviennent dangereuses, plus sauvages. Lady McKendrick ? J'aurais pu siroter du champagne dans cet escalier, savourer la compagnie de gens délicieux, raconter mes aventures à des aristocrates, tout. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc là, je viens de ramasser une pièce. Là, je viens de ramasser une pièce, donc c'est pour améliorer le Kraken, je vous disais. Ah, pour l'améliorer. C'est comme si hier encore j'étais ici avec Lady McKendrick. Nous avions une belle soirée. Impeccable. Mort instantané. Si Madero avait détenu comme moi un tel pouvoir, la révolution aurait fini avec la vie avant de commencer. Le sceptre a l'air prêt en défaut. Donc Diego, comme vous pouvez le constater, il aime bien parler. Pas cacher une balle pour toi. Il ne s'arrête pas de parler, ce personnage. Il a beaucoup de choses à dire. Diego Nekali. Vous allez apprendre à le connaître. Donc j'ai le sceptre de rat chargé. Je vais me mettre sur ce spot car les zombies spawnent très vite ici. Donc voilà, c'est parti. On se réveille les cadavres. Du sceptre de rat. Donc vous allez voir son efficacité. Il faut s'en servir pour l'augmenter. Donc il a 3 niveaux. Plus on tue des zombies avec, plus il augmente en niveau. Après, ça devient vraiment une arme. Elle prend de la puissance. Et elle a un aspect défensif. Une fois qu'elle est niveau 3, vous verrez. Mon arme est presque vide. Je ne suis pas aussi négligent que d'habitude. Ok. Un poignard en plein cœur. Donc on prend pas de risque, je vous dis. Faites pas comme moi. On n'est pas dans la petite forêt. Voilà l'artefact. Est-ce qu'on veut le récupérer? Ou est-ce qu'il est abîmé? Donc première étape du secret, s'emparer de l'artefact. Hop. C'est fait. Non, honnêtement, cette mission toute simple se complique un peu plus chaque minute. Point doublé. Y'a quoi leur temps? Des eaux usées? Il va falloir faire mieux que ça. Beaucoup mieux que ça. Donc faites pas comme moi, soyez pas suicidaires. On a que 3 vies, conservez-les bien. On va laisser qu'elle zombie. Deuxième étape du secret,
activer les quatre piédestals. Je ne connais pas ces sorts. Donc j'en active un, mais donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Ces expériences, Jean pourra peut-être les expliquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la boîte magique, comme ça je suis réglé directement. Si j'ai le Kraken, je reste. Si j'ai pas le Kraken, je recommence la diffusion, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir de la chance, d'avoir le Kraken assez rapidement pour ne pas monter dans les manches, faire des économies, s'équiper, partir à la salle du boss. Pas attendre 150 ans pour s'équiper. Les manches elles passent, les ennemis deviennent plus résistants. Donc moi, je vais essayer mon sort directement. Voir si j'ai le Kraken. Diego Nekali est capable de maîtriser n'importe quelle arme offensive. Même la plus offensive. C'est bon, je vais craquer. Ça m'a l'air de commencer le secret. Les trois canons étaient-ils bien nécessaires? Donc on active le deuxième pédestal qui est ici. Je ne suis pas joueur, mais ces symboles ont forcément une fonction. Donc je retourne à l'arrière du bateau. Donc une fois que vous avez le Kraken, par contre, gardez-le bien dans vos mains jusqu'à la fin du secret. Avec cette arme, normalement, vous êtes invincible. Vous ne faites pas de conneries. Donc vous pouvez pas vous faire coincer. Si vous faites coincer, vous avez juste à tirer. Vous serez décoincé immédiatement. Donc une fois l'obtention du Kraken, gardez-le bien dans vos mains. Vous allez comprendre que cette arme est vraiment surpuissante. Vous allez la connaître, vous allez apprendre à la connaître. Donc j'active deux pédestals, donc je me dirige. Même sans cette malédiction, les passagers en bas n'avaient aucune chance. Le troisième pédestal. En passant, je prends la troisième pièce du bouclier. Donc qui est pas là, elle est en remontant. On va prendre un peu de points pour ouvrir. Même si personne n'est là pour je vous conseille de ne pas faire la même chose que moi, de ne pas faire les étapes en pleine manche, garder des zombies et faites vos étapes. Là, je sais que je donne le mauvais exemple, mais c'est pour écourter un peu la vidéo. Parce qu'on en a pour une bonne heure et demie ensemble. Donc là, je viens d'activer une vanne pour faire baisser le niveau de l'eau. Là, je vais activer donc le troisième piédestal. Hop. Les charognes ne font pas le poids face à ce monstre venu des profondeurs. Donc la troisième pièce du bouclier, la voici. Scarlett a dit qu'elle avait bricolé ça. Honnêtement, je ne m'en souviens plus. Maintenant, on va activer le quatrième pied, on va fabriquer le bouclier. On le prend pas tout de suite, par contre. Voilà, juste qu'on le fabrique. Donc on va aller chercher, on va l'activer plutôt, le quatrième pédestal qui se trouve dans la cale, sous la salle du courrier. Donc on traverse le bateau. Les premières étapes du secret, vous allez voir, c'est que ça, c'est que du marathon. Croyez-moi qu'après, il va y avoir de l'action. Cette fosse veut qu'on la perde. Vous ne supportez pas ce genre de racket électrique. C'est toujours le cas. Munitions au max. Bien. Quand on a vécu comme moi une vie bien remplie, on ne trouve pas ça bizarre de recevoir des munitions potentielles. On trouvera peut-être. Donc là, on va récupérer une pièce pour l'améliorateur de Kraken.
Ok, là, hop, on va activer la vanne pour évacuer l'eau et on active le quatrième piédestal. Donc la deuxième étape du secret est terminée, on va passer à la troisième. Donc la troisième, on va voir ensemble. Donc il s'agit de trouver des horloges, donc il y a 6 horloges dans la map, seulement 4 sont reliées à des symboles. Les horloges qui nous intéressent, c'est celles qui sont reliées à des symboles, donc on va les vérifier ensemble. Donc là, il n'y a pas de symbole, donc cette horloge nous intéresse pas. Donc là, au fond, au-dessus de la porte, vous voyez, il y a un symbole, un triangle en bas avec une barre. Donc cette horloge nous intéresse. Il est 10h05. On prend note, on appuie sur Start, on prend note. Donc on va aller vérifier les autres horloges. Donc là, on n'a pas de symbole. Cette horloge nous sert à rien. Allez, on passe au suivant. Donc là, on va attendre un peu ici, puisque je vais devoir ouvrir cette porte là, le restaurant, qui va me mener à la cuisine au fond, là où se trouve une horloge. Donc on va faire un peu de kill. Sûr que plusieurs donc on ne peut pas s'allonger avec le dans les mains, donc on prend notre arme, quand on s'allonge, on prend des sous. Donc là il y a une horloge, donc alors. Donc là il y a un symbole, train vers le bas. Il est 1h25. On note 1h25. Là aussi dans la cuisine, il y a une pièce. Voilà. Pour la mémoire à craquer, donc c'est la dernière pièce. Non, c'est parti pour un chapeau. Voilà, donc là pour l'instant on a 2 horloges, on va aller vérifier les autres. Donc un triangle vers le haut, il est 4h40, triangle vers le haut, 4h40, donc voilà, donc la dernière horloge, logiquement, on doit être à l'opposé du bateau, c'est-à-dire dans la salle du courrier, on va y aller, donc rechargez quand vous voyez qu'il n'y a pas de zombies, si vous n'avez pas rechargé, n'attendez pas que ça se recharge tout seul, parce que souvent, c'est les blessures quand c'est comme ça, donc faites attention à ça. Toujours recharger si notre arme n'est pas rechargée quand il n'y a personne. C'est un détail qui fait que on évite les blessures. Donc on va aller relever l'heure de la dernière horloge, donc dans la salle du courrier. Logiquement la dernière ça devait être un triangle vers le haut avec une barre, donc il est 11h50. Voilà. Donc maintenant on va aller rapporter 16 heures à des commandes qui sont à l'avant du bateau, là où se trouvent les symboles appropriés, donc c'est comme si c'était des horloges. Ça. Ici on peut régler les minutes, seulement les minutes, donc c'est des 35. Donc la première on avait dit 50, la deuxième on avait dit 25, 10, 15, 20, 25, la troisième on avait dit S5, donc un cran,
Et la dernière, on avait dit 40. Donc 55, 50, 45, 40. Là, on n'aura que les minutes ici. Voilà. Donc maintenant, on va régler les heures. Donc les heures, comme tu le disais, c'est un marque. Les heures, on va aller à l'arrière du bateau. Donc, pour régler les heures, à l'arrière du bateau, donc on a deux commandes de part et d'autre de l'artefact, c'est-à-dire à gauche et à droite de l'artefact, enfin là où on a récupéré l'artefact. Donc la commande de gauche, ce sera la première, et la commande de droite, ce sera la troisième. Disons que les quatre commandes sont dans un ordre de 1 à 4 à l'avant. Donc on a dit la première 50, la première on a dit 11h, je veux dire, voilà, 11h. Et la troisième on a dit 10h, donc 11, 10, ok, c'est prêt. Maintenant on va aller régler les heures de la commande 2 et 4. Donc la commande 2 et 4 c'est en dessous. Donc par contre elles sont inversées, c'est-à-dire que la 4 est à gauche, la 2 est à droite. C'est pas dans le sens de la lecture. Donc on avait dit pour la 4 qu'il était 4h. Donc la 4 elle est là, donc 4h, 1, 2, 3, 4. Et la 2 on a dit qu'il était 1h. Donc voilà, on entend ce petit bruit, cette étape est validée. Donc nous allons passer à l'étape 4. Donc l'étape 4, ça va être différent. Ça va se ressembler mais ça va être différent. Donc là on doit chercher des prises de courant. Donc il y a 6 prises de courant comme les horloges, en avait 6, mais comme les horloges aussi, seulement 4 vont nous servir. C'est-à-dire que seulement 4 prises sont reliées à des éléments. Donc là il y a une prise, on attend un peu, des fois il y a des bugs d'affichage. Il y a l'air de rien avoir, donc cette prise ne nous intéresse pas. On va passer au suivant. Donc là, on a une prise, voilà, donc vous avez vu, c'était du poison, on la repère. Très important de les repérer, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on a du poison, on va repérer les autres. Donc là, on a une prise aussi. On entend du bruit, donc il y a un bug d'affichage. Elle va pas tarder à spawn. Donc faut attendre un peu. Donc on va faire un petit tour là, parce qu'il y a un bug d'affichage. Si vous entendez un bruit, c'est qu'il y a... Voilà, donc il y a de l'eau, vous l'avez vu. Donc on la repère. Très important de la repérer. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc c'est bon, on a l'eau. On va à la prochaine. Donc là, il y en a une au-dessus. On la vérifie. Il y a l'air d'avoir du bruit, mais il y a un bug d'affichage encore une fois. Donc Call of Duty n'est pas très à point. Voilà, donc il y a du feu, vous voyez. Donc on la repère. Hop. Donc, il manque une prise, la prise électrique. On va aller voir au restaurant. Car là-bas aussi il y a une prise. Donc le restaurant, là il y a une prise. Ouais, donc on entend du bruit, c'est bien l'électricité. Je la reconnais parce que j'ai l'habitude, mais on va quand même la voir de nos propres yeux. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'éléments, écoutez bien. Voilà, donc vous avez vu l'électricité qui est sortie. Donc voilà, il faut bien les repérer. Donc à partir de là, une fois qu'on a repéré nos 4 prises, donc on peut passer la manche. Car en fait, on va devoir amener des zombies élémentaires. Donc comme vous avez deviné, il y a 4 zombies élémentaires. Donc électricité, feu, eau, poison. Donc chaque type de zombie, donc le zombie par exemple électrique, on va le ramener à sa prise électrique. Donc on va le tuer devant. Ça va créer un cercle au sol qui pour plus tard va nous servir à nous téléporter. Donc très important. Donc on va tuer chaque zombie de chaque type à sa prise. Donc voilà. Cette arme
Une fois que ça aura été fait, une fois qu'on aura les. Une fois qu'on aura fait spawn les 4 cercles, donc à chaque fois qu'on tuera un zombie à sa prise, il y aura un cercle qui spawn. Donc quand on aura nos 4 cercles, ces cercles au sol nous serviront à nous téléporter. Donc pour se téléporter, il faudra se placer sur le cercle, attendre qu'il s'éclaire et donc maintenir carré pour se téléporter. Donc pourquoi je vous ai dit de bien les retenir ? Parce qu'en fait, il va falloir se téléporter dans un ordre bien précis. C'est le même pour tout le monde. Cet ordre ne change pas. Donc, à savoir, l'ordre, c'est le poison en premier, l'eau, l'électricité, et pour finir, le feu. Donc, poison, eau, électrique, feu. Voilà, ce sera l'ordre pour se téléporter. Donc, vous verrez de toute façon, après, ce qui se passera quand on se téléporte. C'est la surprise. Donc, en attendant, les zombies élémentaires apparaissent qu'à partir de la manche 9. Donc là on fait le ménage, on fait du point, on économise. Voilà, on économise. On prend pas la mort instantanée. Donc à partir de là maintenant, manche 9, les zombies élémentaires vont apparaître. Donc on va les attendre. On a le sceptre chargé, vous allez voir, qui fait très bien le travail. Donc je vais sans doute garder un zombie à la fin de cette manche pour améliorer mon paquet. Donc là on a un zombie électrique. Bah ça tombe bien, c'est ici l'électrique. Donc on va brandir notre sceptre. Vous avez vu les zombies électriques qui flashent. Donc voilà, vous avez vu le cercle apparu. Donc là, je tiens à préciser qu'on peut faire qu'un zombie élémentaire par manche. Ça manquait peut-être de subtilité. Donc, mais c'était ça sert à rien de courir vers les autres prises. Point doublé. Donc, on va supprimer les zombies restants. On va laisser un zombie. Il s'enflamme. À ce stade, quoi d'étonnant ? On va laisser un zombie pour améliorer. Je sais pas quand t'arrêter. Me trompe ? Je n'ai presque plus de munitions. Je vais devoir me montrer créatif. Donc, voilà. Donc, on va aller au pack-a-punch. On va améliorer cette merveille de Kraken. Donc, le pack-a-punch. Pour savoir où il est dans la cale, vous allez vers un piédestal et il vous dira où se trouve le Poképunch. Donc en fait les piédestals, c'est les Poképunch, ils se déplacent selon les manches. Donc là il nous a indiqué qu'il était dans la cale, donc on va s'y rendre. Donc c'est 5000 comme d'hab hein, pour améliorer. Par contre vous verrez que donc comme je vous le disais tout à l'heure, on peut pouvoir améliorer. On va pouvoir placer des éléments sur nos Kraken. Donc vous allez voir, donc une fois qu'on a les même 3 pièces de l'améliorateur du Kraken, donc on peut améliorer. Sans conteste, la femme la plus... Par contre, il faudra extraire des membres de zombies. Donc si on veut améliorer en poison, en feu, en électrique ou en eau. Donc pour extraire des membres de zombies, il faut leur tirer au Kraken, amélioré ou non. Au niveau des jambes, des zombies élémentaires, je parle. Donc si vous voulez un zombie par exemple poison, il va falloir lui tirer dans les jambes avec le Kraken, amélioré ou non. Et à ce moment là vous allez voir, il va laisser tomber un membre de son corps par terre qu'il faudra ramasser et donc aller placer dans l'améliorateur de Kraken. Vous verrez après où est le spot pour y placer un élément. Entre autres, je vous parle de ça car pour une étape du secret, il faut améliorer le Kraken en poison seulement. Donc pour ça, donc moi, la première chose que je vais faire, ce sera que je vais améliorer mon Kraken en poison. Donc je vais récupérer un membre de zombie poison pour l'améliorer en poison. Et une fois que j'aurai fait l'étape avec mon Kraken en poison, je verrai ça tout à l'heure, j'améliorerai mon Kraken en feu. Donc il faudra repayer 6000 et prendre un membre du zombie feu. Donc voilà. Donc on a fait le zombie électrique, c'est noté. Il nous reste les 3 autres zombies.
On attend qu'il spawn. On a un zombie empoisonné. Donc on va le ramener à son spot. On va pas perdre de temps. On va le ramener à son spot. Savoir que quand vous ajoutez un élément sur votre Kraken, ça recharge vos mines. C'est 6000 points par contre, mais ça recharge vos mines aussi, donc c'est pas mal. Donc le zombie poison, on doit le tuer à cet emplacement. Voilà, donc on va l'atteindre, on va lui tirer dans les jambes car j'ai besoin de son membre, comme je vous l'ai dit. Déjà que les cadavres sont pas dans la rose. Voilà, on lui tire dans les jambes. Donc je vais jouer au sol, je vais vous faire montrer. Je vais laisser tomber un membre. Donc, on ramasse, on fait attention de ne pas être sur le cercle quand on le ramasse. Donc on reste pas dans des. On reste pas dans des cul-de-sac. On reste pas dans des cul-de-sac. Donc le zombie poison s'est réalisé. On marque. Donc j'ai récupéré son membre, vous voyez, entre autres son cœur. Donc on reste pas dans les cul-de-sac. Hein. Il faut que c'est fini ça. De la distance. Donc, vous savez quoi, je vais l'améliorer. Le Kraken empoisonne tout de suite. Donc vous voyez de quoi il s'agit. Donc, je vais laisser deux zombies, ça suffit. Donc j'ai le membre du zombie poison, je lui ai tiré dans les jambes, il a laissé tomber son cœur. Donc j'ai 7000 points. L'amélioration c'est 6000, donc l'établi, 15 spots pour l'établi, c'est là, juste ici, donc on le construit d'abord, hop, faut que la machine est disponible, on paye 6000, voilà, mon Kraken est empoisonné. Ils n'ont jamais rien fait d'autre que la mauvaise tequila. Donc à partir de là, on va remonter, car il nous reste encore deux zombies élémentaires à aller placer. À tuer devant leur spot. Donc je sais pas si je me répète, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, donc une fois qu'on aura tué les 4 zombies, donc les cercles nous servent à nous téléporter, on se téléporte en se plaçant sur le cercle, en attendant qu'il s'allume, en maintenant carré, on se téléporte, il faudra se téléporter dans le bon ordre, donc je sais pas si je vous l'ai déjà dit, bon je me répète, je sais pas. Donc il faudra se téléporter dans l'ordre suivant, donc poison, eau, électrique, feu. Donc c'est le même ordre pour tout le monde. Si vous ne téléportez pas dans cet ordre là, l'étape ne sera pas validée. Donc là on a le chauffeur du navire. Donc on va lui mettre un coup de Kraken. Puis un deuxième, il est mort. Enfin non. Alors là il est mort. Donc on va faire attention aux zombies là. Donc là on a un zombie haut. Donc le spot de l'eau, on va le ramener tout de suite. Voilà, on a le zombie haut. Voilà. On peut supprimer les autres, mais il faut faire attention de ne pas le tuer. Il est toujours là. On peut pas supprimer les autres en faisant attention de ne pas le tuer. Waouh. Ah, je l'ai tué. D'électrique, on l'a fait. Ah ouais. Ah ouais, je suis dégoûté. On va passer une manche première là. Ah, je l'ai tué. Munition au max. Moi, ils ont l'air un peu contaminés, ceux-là. On va peut-être attendre qu'ils se transforment. Ça m'étonnerait. Donc, on va aller leur mettre un boulevard. Ah ouais, donc faites pas la même erreur, soyez pas gourmand. Moi j'ai tué le zombie haut, donc je vais perdre une manche, ça c'est ballot. La
Franchement, c'est pas bien grave de perdre juste une manche. Parce que, en fait, au bout d'un moment, je vais devoir m'équiper. Donc, faire du point. Mais bon. Avec un peu de chance là, il y en a un qui peut se transformer, j'espère. Qu'on a 10 zombies. Oh! Je crois pas trop hein, qu'ils vont se transformer. C'est bon, c'est mort, donc on va passer la manche. Oh, il a beau, il va pas se transformer. Okay. Ok, donc on a passé une manche. Pas bien grave. Zombie là qui se transforme, on l'entend. Ah, c'est un zombie en poison, mais on n'a pas besoin. Dans un rugissement tonitruant, l'arme décime tout sur son passage. Donc, zombie feu, on a dit que c'était au grand escalier, donc c'est au-dessus, c'est juste là, on va le tuer tout de suite. Comme ça, ça va être fait. C'est bon, les zombies haut. Donc le zombie de feu c'est fait, il ne va nous manquer que le zombie haut. Donc je vais aller chercher mes atouts moi. Tu le sais comme moi. Merci. Ça faisait des heures que ça me grattait. Ça c'est un atout qui me permet d'avoir une plus grosse réserve de munitions. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous avez vu le Kraken, donc si vous êtes bloqué, ça vous débloque direct. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'atout sur une sorte. Que dans les spots, on a dit salle des millionnaires, donc c'est ici. Parce qu'il a déjà fait ses preuves. Pourvu que j'ai pas tort. Donc on va attendre ici. Là voilà, je le prends dès maintenant, ça va me permettre de mettre mon Kraken en feu après, car moi je le veux en feu, mais ça sera quand j'aurai terminé l'étape. Donc là c'est zombie d'eau, donc on va attendre le zombie haut. Par contre on va pas rester là. Je m'amuse vraiment beaucoup avec cette arme. Voix mystérieuse, tu es vraiment notre allié? N'arrive pas à te faire confiance. Alors, c'est ça, ma feu. L'odeur. Ne faites pas comme moi, restez pas dans les couloirs. Ouais.
Il est temps de combattre le feu par le feu. Ah, le feu tourne. Ça nous enlèverait presque du zombie haut. De la chasse. J'ai pas raison. Et on est en train de faire passer des manches là, pas grand chose. Je vais chercher mes atouts. C'est pas grave, c'est pas perdu. Ça fait des sous. Donc en fait, normalement, moi je fais mes étapes à la manche 14 là. Vous allez voir, ça va s'enchaîner là. Ça, c'est on va faire le zombie haut. Ah, il est là. Allez, c'est bon. Là, il y a une araignée. Est-ce que le zombie nous suit? Ouais. Donc, on va aller l'amener à la chambre, au spot. Donc, avant que l'araignée arrive. Il faut qu'elle pense ici, l'araignée. Oula. C'est bon, le zombie, on l'a tué. Donc le zombie, c'est bon, on l'a tué vers la prise, c'est impeccable. Donc on a fait tout le travail. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer l'araignée. Énormément de bruit cette araignée quand elle se déplace. On va l'attendre ici là. On va la prendre là. Avec une explosion suffisamment massive, je devrais pouvoir décrire. L'araignée, on va pas comprendre ce qu'on fait. Interdit de menacer mes sourcils. Un peu de respect. Il faut lui tirer dans le dos. Tu es la machine des mines. Tu es plus fourchu que tes frères. Mais ça ne te rend pas invincible. La nation au max. Donc, maintenant qu'on a fini tous les éléments, on a gardé un peu de zombies. Aïe, c'est le moment. Donc, je vais aller chercher mon dernier atout. Et puis, on va se téléporter. Vous allez voir, il y a de l'action au menu. Donc, c'est pas grave. Moi, d'habitude, je finis tout à la manche 14. On va tout finir à la manche 14. Pareil. N'allez pas plus qu'à la manche 17 pour aller au boss. Mon cœur avait besoin d'un pire montant après la tragédie qui a frappé les Magnaniac. Très important. Mon pantalon ! C'est le moment de le prendre, le bouclier, maintenant, parce que vous allez voir. Là, il va y avoir de l'action, donc faut se téléporter dans l'ordre que je vous ai dit, donc poison, eau, électrique, feu. Donc on prend le bouclier. J'espère que ça tiendra le coup quand on sera attaqué. Donc poison, c'est ici. Donc ça c'est clair, on maintient carré. Donc c'est parti. Donc là il y a deux entrées. Les zombies vont venir que par ces deux entrées. On va les attendre. Oh merde, j'ai les larmes aux yeux. Ok,
faites pas comme moi, toujours tir au Kraken. Donc récupérer l'artefact. Donc ensuite le deuxième spot c'est l'eau, donc on se rend à l'eau. Donc on va se rendre à l'eau. Donc en soi j'ai pas perdu de temps parce que vous allez voir après qu'il va falloir que je fasse des points pour que je trouve le singe dans la boîte magique. Et ma deuxième arme que vous allez voir ce que c'est la surprise. Vous verrez. Donc j'ai même pas fini l'eau en fait, à ma grande surprise. Voilà, donc il a fallu que l'eau. Charpentier. Il n'a pas été fait l'eau, ok, c'est pas même grave. Comme je vous disais, c'est pas perdu tout ça, parce qu'il va falloir que je m'équipe, donc c'est des points qu'il me faut. Donc il va falloir que je change mon arme secondaire et que j'obtienne les singes. Mais ça va pas être pour tout de suite, vous allez voir. Donc là, cette fois-ci, je vais attendre le zombie haut, correctement. Je ne risque pas d'être vaincu. Tu t'es bien battu, l'homme de feu. Toujours pas de trace du zombie haut, c'est très inquiétant. On va éclairer un peu ce bateau, que les gens nous voient du village. Allez, zombie haut. Donc cette fois-ci on va pas le louper. Allez, là c'est sûr, là c'est la bonne. Ça va respawn vers moi là-bas. Donc poison, eau, électricité, feu. Donc poison c'est validé. Donc là on est à l'eau maintenant. Donc vous allez comprendre pourquoi l'eau porte bien son nom. Vous allez comprendre, vous allez voir. C'est une étape assez périlleuse. En plus, on dit où le voilà, cette fois-ci c'est bon. Voilà, on a le cercle, donc on se téléporte. C'est parti. Donc l'eau. Je suis dans la cale va se remplir d'eau, donc ça porte bien son nom, je vais finir sous l'eau. Tu ferais sans doute mieux d'abandonner le navire. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est de garder la tête sous l'eau, de la remonter de temps en temps. Pour respirer, vous gardez bien la tête sous l'eau, sinon vous allez rien voir. Faire attention à l'araignée, vous tirez dans l'eau. Là, on remonte, on respire. Vous restez bien dans le fond, hein. Pour recharger, voilà, vous sortez pour recharger, et vous tournez dans le fond, on récupère son feu. Donc voilà, c'est fini. On recharge, c'est fini. Donc à chaque fois qu'on finit une étape, on récupère l'artefact, c'est très important, récupérer l'artefact. Hop. Donc on se dirige à la prochaine étape, l'électricité. Donc on a notre spot, donc on y va.
Donc c'est ici l'électricité. Hop, on se téléporte. On n'a plus beaucoup de mines, donc on a les mines une fois sur deux. Donc là on récupère les mines. Là donc là il y a quatre entrées. Il faut pas rester sur place. Il faut tourner. Toujours rester mobile. Tourner. Le monstre aux jambes bizarres est de retour. Et c'est la dernière fois qu'on combat cette chose. Donc comme son nom l'indique, les zombies électriques, vous allez voir, il y en a pas mal, ils flashent. Donc restez mobile, s'ils vous flashent, vous n'allez rien comprendre. Donc restez mobile, restez pas dans cette direction. Moi je prends du double. Assurez la sécurité. Donc, toujours restez mobile, hein. Je le répète. Rechargez quand vous avez le temps. Attendez pas la dernière minute. Ça se passe automatiquement. Donc pour rester mobile, vous tournez. Donc là il y a une araignée. Ah, attention, vous pouvez l'éliminer direct. Faut attendre. Les araignées font mal, donc faut pas attendre. Voilà ce que ça fait, les zombies électriques. Ça peut vous perturber ça. Quand c'est comme ça, je vous conseille de tirer. N'arrêtez pas de tirer quand vous êtes flashé. Vous savez pas ce qui se passe, peut-être des zombies vont vous attaquer. Donc là on récupère l'artefact. Voilà, donc on se dirige maintenant à la dernière étape, donc au grand escalier qui est juste ici. Donc quatrième et dernière étape de l'étape 4. Donc on se téléporte. Hop, on remonte. Par contre on reste pas là, on remonte. Voilà, on se met là, on pose une mine par là, on pose une autre. Par là. Il va me falloir un long. On recharge à la personne. Ça me rappelle les bombes qu'on utilisait dans la révolution. On appelait ça cocktail métallique. Je sais pas. Mais je consolerai ta famille. On recharge, on n'attend pas le dernier moment. C'est fini, on descend, on récupère l'artefact. Donc là, l'étape est terminée. Maintenant que l'artefact est de nouveau entre nos mains, je ne vois plus de raison de ne pas nous ruer vers les canons. Donc voilà, l'étape est terminée. Donc on va remonter à la surface. Parce que donc on est au début de la manchaise, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et c'est là que le Kraken Poison va rentrer en action pour la cinquième étape. Juste quand on commençait à faire connaissance. Donc, par contre, je vous conseille d'à partir de maintenant d'économiser vos balles de Kraken, donc de ne plus tirer avec pour récupérer un bouclier. Je trouve que le résultat est quand même. On va rassembler les zombies. On a notre bâton. On va faire monter. Donc, gardez vos Kraken en main quand même, même si vous n'en servez pas. Donc, il y a aussi un bloqueur. Donc on les rassemble, tranquille, on n'est pas pressé. On les rassemble. Voilà, on les rassemble, tranquille. Là, on va laisser deux zombies ou un zombie. On va pas laisser deux zombies. Donc là il y a le chauffeur. Donc le chauffeur par contre. C'est bon, notre bâton niveau 3. Le chauffeur par contre, on va pas avoir d'autre choix que de mettre des coups de traquer. Viens voir monsieur le chauffeur. Je crois que vous avez tout pour vous entendre. Ton métier est poussé du charbon. Le mien, c'est de tuer des gens. C'était joué d'avance, tu le sais comme moi. Donc économisez vos balles, gardez bien vos balles de traquer. Fantôme,
estime apparemment qu'on a besoin d'aide. Malade, mais si affûté, tu ne l'as sans doute même pas senti transpercer ta chair. Pleine puissance. Être chargé à fond. Donc c'est bon, on garde deux zombies. Allez, on va passer à l'action. On va faire la cinquième étape. Donc la cinquième étape est assez simple. Il va s'agir de tirer. Il n'y a que le kraken poison qui marche hein, pour cette étape. Donc vous allez voir, donc, il s'agit de tirer avec notre kraken sur des tuyaux où il y a du gaz ou je ne sais quoi, de l'eau peut-être qui s'échappe. Donc en tout il y en a 9. Quand c'est bon, vous faites un hit marker. Donc là on va en voir un. Donc là-bas, voilà. Donc 1, ça fait, quand il y a un hit marker, c'est bon. Donc ça fait 1, il y en a 9 en tout. Donc 2. Pas d'hit marker. 3, hit marker. Voilà pourquoi faut garder vos mules. 6, 7, 8, donc il ne reste plus qu'un. Donc quand vous voyez qu'il y a un peu d'eau qui s'échappe, c'est que ça a été bon. Donc nous ça reste un, on va regarder. Donc je sais à peu près où il est, mais bon, un peu zombie là. Donc il est là-haut là. Alors voilà, attention, pas prendre de blessures bêtes. Donc voilà, le 9e. Quand vous avez fait les 9 tuyaux, le bateau, la salle des machines va commencer à se remplir d'eau. Donc on attend que le niveau d'eau monte à son maximum. Voilà, c'est bon. Donc là maintenant on va mettre l'artefact dans le pack à punch. Voilà. Puis on va le récupérer. Donc on aura fini la cinquième étape. Donc on va aller vider la cave. L'étape est terminée. Le kraken, on n'a plus besoin qu'il soit en poison, ça tombe bien. On n'a plus de balles. J'ai gardé encore le crâne du zombie feu. Donc on va s'en servir pour mettre notre kraken en feu. Ce qui va nous rendre des munitions. C'est génial. Donc c'est 6000, hein, c'est pas gratuit. Voilà, j'ai mon kraken en feu. J'ai plus de balles, je fais plus de dégâts.